Mesdames, amis fanatiques, yo, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Réseau Information. Hein. Et je dis à ce mardi qui 29 octobre, c'est toujours un minou. Merci, John Amico. Hein. Moi, pour le partager avec nous quelques parmi nouvelles qui ont dominé l'actualité. Vin gade ensemble avec moi sur l'écran. Jeune garçon que n'a pas gardé la relais, Théodore Augustin. Il gagne seulement 18 ans sous Calbas tête. Nous trouvons en République Dominicaine. Théodore Augustin, eh bien, mettait la police dans le pays de domaine, dans courir après les fines volants, eh bien, une machine patrouille police. Jean que, n'attendait là. Et ça passait, et dans un restaurant, pendant que deux policiers qui étaient dans la patrouille là, yo campé et mais pour y aller dîner pour y aller manger dans un restaurant ça qui trouvait en le municipio Villa Isabella et dans Puerto Plata. Et bien qui ça bagaille là mesdames et messieurs. Événement ça et mais fait dimanche soir et bien pendant que agent et la police yo et bien yo tap dîner dans un restaurant ça qui relait El Sabor del Cerdo. Et bien Théodore Augustin et ben il prend machine là monsieur qui t'en courir il qui t'en arrivé bien loin ensemble avec dans machine policière monsieur qui t'en est parcouru environ 20 km dans camionnette police là avant que yoté intercepté avant que yo arrêté dans camionnette ça dans zone qui relait Los Pirones après une grosse opération que autorité la police ont déployé et ben pour être capable localiser eh bien unité et bien police là et bien que monsieur l'était volo a et bien il était capturé jeune garçon ça que le Théodore et 18 ans et bien après il était finwell a conduit machine pad et ça fait grand pile monde qui était saisi là ouais jeune garçon hein et avec un maillot sous lui il a conduit machine patrouille là il relait la police il relait commissariat dans Bidia Isabella et bien côté il a arrêté monsieur il a metté et nan prison. Mais police yo di bagay ki assez intéressant. La police nationale nan pays se ben rapporté et ben que jeune garçon ça supposé souffri et problème mental. Semble tête monsieur lui même li pa trop bon. D'après sa police yo même yo fait konnen yon situation et ben que yo considéré que police yo considéré c'est yon on fait ki yo mette nan rapport que yo fait que monsieur et ben li capable gagner problème mental pour ça qu'il commet là. Autorité déjà lancé yon enquête interne et sous des agents policiers qui étaient dans machine là pour capable clarifier détails et bien sous incident ça et bien qui rivé à et bien c'est un sergent ensemble avec un caporal et bien qui était trouvé et dans et patrouille policier ça que Théodore Augustin 18 ans et un jeune haïtien et bien lui-même il était arrivé et prend et dans Bidia Isabella Puerto Plata. N'a toujours été en République Dominicaine et gagné président Luis Abinadel et bien qui fait qu'on est et hier lundi a et bien pendant que l'État participé dans et programme hebdomadaire que l'est toujours bail qui c'est la semanale côté nous connaît depuis sous problème canal là les que l'État bail pression pour capable camper canal peuple haïtien canal dignité peuple là. Et bien, l'État baille pression pour capable camper canal là. Quelques décisions que l'État prend, c'était fermer frontières et frontières terrestres et frontières maritimes et frontières aériennes. Et bien, hier, Abinadel fait qu'on est espace aérien entre Saint-Domingue ensemble avec Haïti, il a continué à être fermé jusqu'à ce que conditions en Haïti et bien yo amélioré. C'est ça que Abinadel lui-même lui fait qu'on est hier. Et bien, président et Saint-Domingue, Luis Abinadel, indiqué que jusqu'à tout le temps, et bien, conditions en Haïti n'ont pas amélioré. Et bien, avion, et bien, pas volé entre le pays d'Haïti ensemble avec la République dominicaine. Et bien, pendant que lui-même était dans le programme la semaine, ensemble avec les journalistes, eh bien, chef l'État a affirmé que frontière, eh bien, l'a toujours été fermée. Pas oublier que frontière terrestre là, et n'est pas fin ouvert à 100% sur question de humanitaire, Jacques le dédiant, eh bien, c'est pour question de, pour produits et dominicains capables de vendre.
c'est quelques monde comme ça qui capable passer des fois on dit c'est gros l'argent et quelques haïtiens payés et bien puis capable arriver checker puis capable rentrer dans pays pas oublier et pas gagner visa et bien pour haïtien pas occuper personne monde qui dit capable faire nous joindre un visa. Visa nous n'est yo abondance c'est faux visa que yo même yo un paquet intelligent dominicain qui met avec haïtien y a vendre faux visa et pas prendre nan piège ça moun k'ap di yo ka fè nou jwenn visa c'est faux visa que nèg yo ban nou et même j'ensemble avec ti canet plan c'est un paquet faux canet parce que gon réseau et en République dominicaine qui gen la donne haïtien ensemble avec dominicain mette tête ensemble c'est coupé a coupé cou haïtien dans dossier ti canet ça nèg yo vend ti canet environ 20,000 pesos et les immigration prend garder ses têtes chargées. Ça fait maintenant de nous et gain un peu le monde qui dit gain monde qui a vendu un petit canet m'a dit nous ça m'a dit nous pinga nous rentrer et corps nous dans dossier net qui du café je nous café nous jeune canet dans pays nous même canet bon nous elle semble tête coupée parce que ces canet l'autre monde nèg gon seul canet dans main yo seul ça yo fait yo changer non ensemble avec photo yo mettez la donne. Mais l'on prend série à toute l'autre donnée les rentrer dans ordinateur et bien c'est toute les rentrer c'est données par mon l'autre mettre original là c'est lui qui sorti photo mon lui qui sorti non c'est lui qui sorti et ça fait en pile haïtien yo arrêté ensemble avec faux canet ça m'a répété non l'autre fois encore pas tomber dans piège nèg qui dit yo capable faire nous joindre canet. Gon l'autre dossier encore on cause résidence que nèg yo chaud ensemble avec lui surtout sur TikTok où je n'ai pas quelle agence qui dit yo capable faire nous joindre ceci, yo capable faire nous joindre cela. Pas occupé yo, son paquet mafia et bien qui là et bien cap casser cou et bien haïtien dans pays et en pile haïtien déjà prend en cou ça yo et ça fait m'a dit nous et fait en pile prudence ensemble avec nèg et bien qui fait nous qui dit et bien yo capable faire nous joindre document yo capable faire nous joindre ceci yo capable faire nous joindre cela en République dominicaine fait en pile prudent parce que gon paquet mafia dehors et bien cap casser cou et bien haïtien avec dossier et résidence dossier canet et puis dossier c'est et visa tout fait et prêt et mais c'est ça information lui même lié et ben Abinadel lui affirmé et conviction lui fait qu'on est jusqu'à ce que et bien bagaille pas amélioré mais dans pays d'Haïti et bien relation entre deux pays yo et mais il y a toujours été et bien genre moi content que m'était ensemble avec nous et toujours été connecté sur plateforme PIA sur réseau et nouvelle là et pour nous capables et continuer informer et mais sur tout ça qui a passé non seulement dans le pays d'Haïti mais tout à l'étranger.